Et c'est parti mon kiki, nous allons continuer la vie et les souffrances de Sœur Brantée du temps de la chute de l'Empire béni Arknia. Nous allons continuer nos aventures dans la jeunesse. On avait passé 1136. J'espère que je dois pas recommencer encore parce que des fois ils sauvegardent pas au bon endroit. Oui, j'ai 18 ans. Ça, j'ai déjà fait. J'étais avec une prostituée dernièrement. J'étais un juge, et voilà, et je l'ai niqué au lieu de la punir. Elle était énigmatique, hein, une chanteuse énigmatique avec des yeux qui troublants, très troublants. Mais elle avait rien fait de mal, finalement. On nous arrivons à 19 ans, à l'année 1137, après toutes ces péripéties. Nous en faisons notre premier jugement, elle était pas mal notre premier jugement. Était. Nous allons vérifier Magra. Deux grands événements ont pris place depuis qu'on est occupé à vivre cette vie. D'abord, Cornelius Tempest n'est plus le grand chancelier de l'Empire. Il a été viré et renvoyé à sa province. Son remplaceur est l'archiduc de Monia, Aegirus Monrogue. Le même Monrogue qui a voulu fermer le collège précédemment. C'est le lord le plus puissant du royaume qui a fini convaincu l'empereur que son frère Cornelius donnait trop de liberté aux paysans. Maintenant, les policiers de l'Empire ont tout changé. Beaucoup ont peur du nouveau grand chancelier qui veut détruire le code impérial des lois et d'autres réalisations de Cornelius. Il y a des rumeurs à propos de gens, beaucoup de rumeurs parmi le peuple. Ils disent que le nouveau grand chancelier va révoquer le droit des communs d'être anobli par Mantle. Deuxièmement, Magra, ton pays d'origine, maintenant a un nouveau big chef, Gaius Tempest, l'autre frère de l'empereur Uther II. D'habitude, le gouverneur de la province est un archiduc. Après tout, c'est normal, ça a du sens que le noble plus puissant de la province prenne part aux volontés de l'empereur parmi les gens locaux. Bien que c'est un ancienne tradition a été cassée et qu'il n'y a pas une surprise, l'archiduc Tarquinius Milanidas est absolument furieux. Caius Tempête était un des supporters principaux de son frère, le précédent grand chancelier Cornelius Tempest. Les nobles à la cour de l'empereur ont dit que c'était un stratagème de l'ethnie arcnienne qui veut que Gaius soit retiré des affaires de la cour comme Cornelius. D'une autre façon, Gaius Tempest et Tarquinius Milanidas seront chacun des menaces sur leur province. Il y a pas, on ne peut rien prévoir de bien pour leur futur. Une seule chose est claire, Magra, ta province natale, va rencontrer de très grands changements. Une grande fête pour tous. La capitale prépare pour une grande célébration. L'âge qui arrive de Gerion Tempest, ici sur le trône. Les rues ont été nettoyées, les marchands paysans sont partis des squares, les drapeaux et les fleurs en guirlande apparaissent partout sur les buildings. Selon un décret de l'empereur, tout le monde doit célébrer la fête pendant les 3 prochains jours. Eterna est vraiment très occupée. Une procession festive démarre dans les rues. Les étudiants du collège et les cadets de l'académie militaire seront là pour montrer leur gratitude à la famille de l'empereur et qu'ils acceptent sa prise de pouvoir. Les rubans et les drapeaux volent dans le vent. Les rues sont vraiment très propres et la senteur des fleurs remplit l'air. Il marche côte à côte avec Thomas. En portant fièrement la bannière de ta province. Les cheveux bruns de ton ami sont bien, bien peignés aujourd'hui, c'est pas son habitude. Il fait des gestes à toutes les filles que tu rencontres dans les rues ou que vous croisez. Elles rigolent timidement et certaines d'entre elles font des signes en retour. Thomas Guerrero. Est-ce que t'as vu ça, mon ami? Regarde à cette beauté, elle m'a juste souri. Oh, ça c'est ce que j'appelle la vie, j'adore les parades.
La famille royale Tempeste observe la parade qui approche gentiment depuis leur balcon du palais impérial. Ils sont rejoints par les plus grands dignitaires de l'Empire et des gouverneurs provinciaux. Tu vois l'empereur Uther II de tes propres yeux, là, bien au-dessus, si près de toi. Les colons viennent s'arrêter devant le balcon et saluent l'empereur avec le collège et l'académie. Tu rejoins les autres étudiants du collège en criant « On apprend en force, on apprend en volonté !» L'empereur lève sa main d'un geste, d'une façon pour remercier tous ces gestes bienveillants. Sa voix résonne parmi le square. « Empereur, j'accepte votre gratitude, mes loyaux sujets. Prenez fierté sur votre connaissance et votre valeur au service de l'Empire. Tous ceux qui êtes ici, vous valez la peine d'être anoblis par Mantle, selon ma grâce. Les futurs nobles autour de vous acclament l'empereur avec des mots. Mais leur jubilation devient plutôt des rumeurs de mécontentement quand l'archiduc Monroe, le nouveau grand chancelier de l'Empire, apparaît sur le balcon. Tout le monde ici se souvient trop bien comment l'archiduc a tenté de fermer le collège de force. Malgré cela, l'archiduc est de facto le leader de la race Arnienne. Il est reconnu en force, même par l'empereur, et il est le grand chancelier maintenant. Aegurus Monroe. Saluez votre empereur, gens paysans du commun. Soyez toujours obéissants et remerciés pour toutes ces bonnes grâces dont vous ne méritez pas selon votre naissance. L'archiduc ne cherche même pas à cacher son contentement des rumeurs de la foule. Regarde. Hué par la foule, il rejoint les dignitaires dans le rang derrière. Tu reconnais un d'entre eux, un élégant visage sous une bannière d'émeraude avec un serpent noir. C'est Octavia Milanidas, la fille de l'archiduc de Magra. Oh, ça c'est nouveau. T'as remarqué Octavia aussi? Ah, notre archiduc Milanidas a envoyé sa fille ici sur le truc, juste devant. C'est un signe de manque de respect pour l'empereur, si j'avais vu ça. Il est si enragé à cause qu'il ne peut plus être le directeur le gouverneur de Magra. Je veux dire, je peux imaginer sa surprise. Ça n'est jamais arrivé avant. Mais alors tout le monde devient silencieux. Un jeune Arcnian avec un sourire timide vient devant. Il y a des rumeurs dans la foule. C'est le prince Gérian, ici pour le trône. Ward, je sais pas ce que c'est Ward, de Cornelius, promesse et espoir de l'état des paysans. À gauche de Gérian est son jeune frère Flavius. Il est à côté de la parade en dessous. Les deux jeunes font procession afin d'être vus. Puissent les jumeaux être gentils avec vous, mes futurs sujets. Je vous promets de vous repayer en retour de gentillesse et d'espoir pour votre prospérité et vos loyaux services à l'Empire. Exaltés par ces mots, les futurs nobles qui d'une seule voix. Ouais, longue vie au prince Gérian! Une autre figure apparaît à la vue à côté de lui. C'est un Arcnien. Habillé élégamment et d'après ses couleurs, il a les couleurs de la tempête. Il lève ses bras prêt à faire un speech. Discours. Et regardez, c'est Gaius Tempeste, le frère de l'empereur, le nouveau directeur de Magra. Waouh! Il semble que les Arcniens les plus anciens le veulent aussi loin du trône que possible, juste comme son autre frère Cornelius, ceux à qui on leur avait promis trop de liberté aux paysans comme toi et moi. Longue vie au prince Gérian, étudiant du collège, cadet de l'académie. Il est temps pour vous que vous ayez prouvé par vous-même à l'Empire, par votre foi et votre mot et votre volonté. Aujourd'hui, c'est un grand jour de célébration. Et en l'honneur du prince Gérian, vous devez demander à l'empereur de vous garantir pour toujours le droit d'être distingué des paysans et d'être anobli par Mantle. Demandez maintenant!
Les cadets des étudiants restent quoi d'hésitation. Ils échangent des regards. Ils ne sont pas sûrs de s'ils doivent suivre les mots de l'empereur, du frère de l'empereur. Sur le balcon en haut, au-dessus, le prince Gérian reste tranquille, attendant une réaction de la foule. L'archiduc Monrog, brusquement, fait vue devant tout le monde, une fois de plus. Il prend quelques secondes pour regarder la foule avant de parler. Sujets impériaux, ce que le frère de l'empereur veut dire et vous souhaite, c'est que vous devez toujours vous remercier, vous souvenir que vous appartenez à votre statut de la dynastie Tempête. L'empereur accepte votre gratitude et vous envoie ses bénédictions. Vous pouvez quitter maintenant. Mais la colonne reste où elle est. Ce n'est pas ce que Gaius Tempest a dit. Laissez l'empereur nous entendre. La loi, nous demandons pour la loi. Des murmures se répandent au dans la foule au fur et à mesure que les nobles refusent de suivre l'ordre de l'archiduc. Il y a des cris qui se font ici et là. La loi, nous voulons la loi. Les officiers de l'académie et les professeurs du collège pressent tout le monde de rester en ligne et de continuer la procession, la parade. Mais la tension augmente. La foule, doucement, devient de plus en plus enragée et incontrôlable. Vous avez décidé de rester où vous êtes. Alors, demandez vos droits. Vous rejoignez tout le monde pour avoir vos droits d'anoblissement. Ou tu préfères laisser tomber. On va demander notre droit. On veut qu'on soit anobli. Vous criez en support à Gaius Tempête, à l'appel de la loi. Vous avez le droit d'être entendu. Vous avez le droit de demander. Toutes vos voix deviennent de plus en plus fortes. Bientôt d'autres vous rejoignent. Les chants deviennent de plus en plus puissants chaque seconde. La loi, la loi. Inspiré par l'aide de vos amis étudiants et cadets, vous avancez à travers le square et vous pressez les autres de vous rejoindre. Thomas marche à tes côtés, secouant ses bras de façon agitée, incitant les autres à crier avec vous, haranguant les autres. La loi, la loi. Toi, Thomas, et d'autres étudiants et des cadets qui criaient, vous entrez dans le vrai centre du square. Les officiers de l'académie essayent de vous faire taire et de vous soumettre, de vous remettre en ordre dans la procession. Mais ils sont à peine entendus et leurs cris sont couverts par votre chant. Malgré tout, quelques-uns se soumettent et retournent dans la colonne. Mais les chants passionnés continuent. Et vous êtes au cœur de la foule qui chante. Un garde impérial de la cavalerie, le régiment de la cavalerie, apparaît du palais. Ils commencent à avancer doucement vers la foule, la main sur leur sabre, poussant les gens, repoussant les gens en dehors du square. Vous gardez pied sur le sol, vous ne reculez pas. Vous commencez à donner des ordres pour vous défendre et vous tenez vos pieds à côté de vos futurs amis nobles. Vous faites une double chaîne en formation autour du centre du square. Elle est assez forte pour empêcher la garde impériale d'atteindre le centre. Les paysans courent à gauche, à droite, en ayant peur des chevaux, mais la cavalerie s'arrête quand elle arrive à votre double chaîne. Ils ne peuvent pas la casser sous peine à moins qu'ils ne reçoivent l'ordre d'attaquer. Aussi, ils arrêtent et attendent pour les ordres. Les chevaux piaffent sur place sur les pavés de pierre. Les sabres de cavalerie sont sortis, prêts à venir couper des têtes. Il y a un stand-by et un arrêt entre la cavalerie en armure et les étudiants sans armes et les cadets. L'empereur Uther II apparaît au balcon encore. Il rejoint son frère Gaius Tempest et montre le trône de Gérian Tempest. Avec un geste, l'empereur appelle votre attention. Le square devient silencieux à la vue du souverain. Mes sujets, j'ai entendu votre demande. Il n'est pas question de le répéter encore et encore. Le grand concile impérial devra revoir les propositions de mon frère. Maintenant, suivez votre destin et obéissez à ma volonté. Continuez la procession, la parade et faites reconnaissance à votre
Prince Gérian qui vous veut de la pitié. Ces mots de l'empereur sont assez pour jeter le trouble dans le square. La réunion s'arrête, la cavalerie se retire. Thomas. Eh bien, t'as vu ça? Notre vieux friend, on l'a réussi, on l'a dit. On s'est mis... on a réclamé notre droit à la noblesse et on a gagné. C'est le mot de l'empereur. Ça va nous encourager en tout ce qu'on peut faire. Les voix de la foule sont rapides pour désapprouver Thomas. L'empereur n'a jamais donné sa parole. Il a juste promis de réviser la proposition. Les gens commencent à discuter autour encore et encore. Cette fois, toutefois, personne ne veut désobéir aux ordres qui viennent de si haut. Et aussitôt, les étudiants se remettent en ligne et en colonne comme précédemment. Le tour de défiance est dans le passé maintenant. Tout le monde rejoint la parade à travers les rues de la cité. Gloire à l'empereur Uther, gloire au prince Gérian. La façon du sabre. Du glaive. Vos études au collège sont venues facilement à toi. Maintenant, tu réalises l'importance des leçons que tu as dû endurer lorsque tu étais un enfant au dépens de ton père. Mois après mois, ton étude de juge apparaît des petits détails. Tu deviens de plus en plus confident dans ton nouveaux appels à chaque discours. Mais il y a plus que ton éducation que les choses du juge et de la loi impériale. Tu as aussi appris les bonnes manières, à respecter l'étiquette, à faire de la poésie, de la composition, et même à faire du fencing. Quelques jours avec Thomas, dans un endroit désert du pays, tu as pratiqué le glaive. Et finalement, le jour de ton examen de juge arrive. Tu envoies les résultats de tes tests à ton père. Il te répond avec son accord de son bureau de juge à la préfecture de Magra. Maintenant, tu as une nouvelle vie, une nouvelle profession si tu reviens à la maison. Tu retourneras à la maison comme un juge. C'est très tôt le matin au grand temple des jumeaux. Ton cœur bat la chamade lorsque tu entres dans le temple. Il semble que c'est comme le premier jour de ton enfance encore. Les prêtres sont debout sur l'autel. Le temple est divisé en deux parties. Mais tu n'es plus le petit enfant effrayé, plus du tout. Maintenant, tu as un homme qui a bien grandi et qui est prêt à devenir un noble. Le sol des paysans à côté est la cause de la souffrance. Tu sens encore sur tes souliers de tes bottes toute la peine. Cette peine marque les dernières secondes comme un paysan. Tu vas devenir noble. Le prêtre se met debout devant toi. Tu t'agenouilles encore, mais ici il fait chaud. Le marbre est doux sous tes genoux. Tu entends les mots parler au-dessus de ta tête. À partir de ce jour, pour ton destin dans la force et la volonté, à partir de ce jour et pour le futur, tu vas devenir et poursuivre, combattre pour les arts. Maintenant, lève-toi, noble. Tu places tes lèvres sur l'acier doux du sabre. Et quand tu te relèves, tu réalises que tu as fini en tremblant. Le dernier sacrement est complètement terminé. Tu es devenu un nouvel homme. Maintenant, plus rien ne sera jamais comme avant. Tes pensées te surprennent qu'elles sont si fraîches. Tes muscles sont prêts à combattre. Ce jour vaut la peine d'un poème. Et maintenant, tu composes un poème selon ta volonté. Tu touches ton dos. La marque du sacrement précédent est partie complètement, effacée pour toujours. Tu te dépêches de retourner à ta chambre après le sacrement. À ta chambre au collège. Le don de ton père t'attend. C'est un sabre. Ton propre sabre. Maintenant, tu peux faire la fête. Tous les étudiants du collège sont invités au tournoi du collège. Et alors, c'est la fête. Les sabres sont montrés de façon magnifique dans votre main. C'est une promesse de futur. Tu le brandis pour promettre de futures victoires. Le tournoi commence. Il y a des cris d'anticipation. Jamais de ta vie, de ta propre vie,
Tu n'as jamais vu d'autant de si jolies filles nobles en un seul endroit. Mais il y en a seulement une qui attire l'attention de tout le monde. Celle avec les cheveux et les yeux noirs, c'est Octavia Milanidas. La fille de l'archiduc de Magra qui a tellement la grâce, qui a la grâce de visiter le tournoi et lui paye une visite. Elle porte une robe verte émeraude. Elle est immaculée dans ses cheveux aussi. Elle est entourée par les filles de sa suite, toutes des beautés de leur propre droit. Quand un noble entre au tournoi, il doit annoncer son nom et la lady pour laquelle il fait l'honneur de se battre. Beaucoup de cris, de noms, donnent leur nom de leurs amoureux dans le stade. Tu connais que beaucoup voudraient se battre pour Octavia Milanidas, mais cet honneur, cette responsabilité est trop grande. Tu fais quelques manœuvres avec ton sabre pour t'échauffer au combat. Bientôt c'est ton tour, tous les yeux sont sur toi. La jeune Lady Octavia cache son visage derrière un éventail dans sa main. Mais ses yeux te regardent avec curiosité. Combat au nom d'Octavia, choisis une Lady de la cour. Dédicace ton combat à ton père. Je vais le faire pour Octavia. Allez hop. J'ai les couilles de le faire. Allez hop. Tu approches du combat et tu cries clairement et lourdement. Tu vas combattre pour l'honneur de la jeune duchesse Octavia Milanidas. Doucement, elle se lève de son siège. Toute la foule reste tranquille. Si tu subis une défaite après des mots aussi insolents, tu peux rencontrer la colère de tous les anciens Arcniens dans la dynastie. Sœur Papa Brante, comment connais-je ce nom? Ah oui, tu avais déjà attiré mon attention précédemment. En mémoire de notre rencontre amusante, je te garantis l'honneur de combattre en mon nom, mais ne me fais pas perdre l'honneur. La foule explose d'applaudissements, célébrant ton courage. Ton premier combat commence. Les lois du combat sont les mêmes que pour un duel noble. Qui que ce soit qui a le premier sang gagne. Fait couler le premier sang gagne. Ton premier opposant n'est pas très fort pour le combat. Quelques minutes plus tard, il rate un coup sur le côté. Ta chemise est pleine de sueur, mais tu tournes ton sabre et qui glisse sur tes mains mouillées. Mais derrière, tu vois l'éventail émeraude. Octavia te regarde attentionneusement depuis son siège. Tu te bats dans trois combats de suite et tu te prépares pour un nouvel opponent. Tu le connais bien. Il a été le mentor de la préfecture d'Eterna après toi. Et c'est un combattant très rapide. Il te fait une feinte et alors il te fait un jab sur le côté. Trois victoires, c'est pas si mal. Maintenant, t'as perdu. Tu salues Octavia Milanidas avec ton sabre et elle accepte gracieusement ton geste. Tu as prouvé à toi-même, sœur Brante, c'est bien. Qui aurait pu savoir que tu deviendrais noble et que nous nous rencontrions à nouveau ici dans la capitale de l'Empire? Je dois dire, je suis vraiment surprise. Les yeux de la jeune archiduchesse te suivent lorsque tu quittes l'arène. Tu te souviendras de ce jour pour le reste de ta vie, le jour où tu es devenu un noble. Tu as gagné le titre de juge de Mantel et le titre de noblesse. Année 1137, hiver. Juste avant de quitter la capitale, tu entends quelque chose d'inhabituel dans les rues. Junius Diamant, le patriarche d'Astinia et un des leaders de la nouvelle croyance, va se trouver au tribunal, devant un tribunal de l'Église. L'ordre de l'Inquisition a accusé le patriarche Junius de s'occuper, de prendre soin de sorcières qui font des blasphèmes et de l'hérésie, qui dispersent de l'hérésie. Le tribunal saint demande que Junius Diamant
libère toutes les sorcières et de leur collier. Attends, le tribunal déclare que Junius Diamant avait libéré toutes les sorcières de leur collier qui les accusaient de leur pouvoir. Encore pire, le patriarche est aussi accusé de former une société secrète de ceux qui n'ont pas de destin et qui seraient établis dans la capitale impériale. Les membres de cette société ont été attaqués par les inquisiteurs et les prêtres de l'église. Et ils ont aussi bien en libérant les sorcières du feu et en les faisant échapper à la loi sainte. Maintenant, le patriarche doit faire face au tribunal saint de l'inquisition d'Eterna. Avec tous ses comptes, il y a une explosion dévastatrice de la nouvelle foi à la fin des jours de Junius Diamant lui-même. L'inquisition devra faire profiter de cette opportunité pour se débarrasser dans ce pays de ce patriarche qui n'est pas le bienvenu, qui a essayé de faire trembler la fondation de l'ancienne foi. Mais alors, viennent des toutes nouvelles de Junius Patriarche, qui répond au tribunal. Il n'est pas moins étonné que l'accusation. Ces mots ne sont juste que des mensonges. Je veux dire que celui qui s'adresse à cette accusation contre moi en personne, il n'y a personne qui donne cette accusation contre moi en personne, mais je veux que tous ces hypocrites portent la poids de leur responsabilité pour avoir fait cela contre moi, contre ma dynastie Diamant et l'ordre saint. J'accepte de rester devant un tribunal saint, mais je les rencontrerai sur mon propre pays et dans mes propres termes. Le patriarche Junius avait déjà reçu beaucoup d'aide du patriarche Luc et de beaucoup de prêtres parmi Arcnia. Les pères de la nouvelle foi à travers l'Empire maintenant parlent tous de leur aide à Junius Diamant. L'église des dieux jumeaux est presque allouée. L'Inquisition n'a pas de choix que de révoquer le tribunal afin d'éviter un schisme qui arrive. Le nouvel officiel se trouve face au Junius Patriarche. Il dit qu'il a été accusé de fausses accusations contre lui, que le tribunal saint doit maintenant être plus prudent dans ses jugements pour les prochains procès contre les paysans ou contre les suivants de la nouvelle foi. Selon les enseignements du patriarche Photis, il n'y a plus d'hérésie ici par l'Inquisition. Le procès de Junius Diamant a été avorté, mais la division règne dans l'Église et ça fait que s'approfondir de plus en plus. La nouvelle foi a directement challengé la vieille foi. Le résultat est incertain, ça dépend de ce que vous demandez. Certains disent que Junius Diamant aurait dû plaider coupable. D'autres croient que le patriarche et la rébellion contre l'Église, aussi bien que l'Inquisition, n'étaient rien qu'une ruse. Il y a aussi des gens qui pensent que l'entière situation a l'air d'un un des plus sales secrets de la chancellerie. D'une façon ou d'une autre, le patriarche d'Astinia et son co-leader de la nouvelle foi restent à son poste. Mais pour combien de temps encore? Et comment est-ce que la vieille foi et la nouvelle foi, quand est-ce qu'ils vont faire un clash à nouveau? Les rivières Eglata et Talrina se rencontrent en dehors des murs de la cité. Tu as rarement quitté la capitale depuis que tu es venu là depuis des années. Un petit vent souffle sur ton visage. Et la lumière timide du soleil se trouve maintenant au-dessus des piliers en train de briller. Tu dis que ton séjour à Eterna est venu à une fin. Tu arrives ici comme un garçon plein d'espoir et d'aspiration, conduit par les attentes de ta famille, le désir de vivre ta propre vie, et tu as rempli ce que tu as vu ce que tu as fait. Et maintenant que tu quittes, toutes ces pensées te remplissent d'une gentille tristesse. Eterna n'est pas devenue ta maison, et malgré tout, tu as fini par y trouver ton destin. Ici dans la capitale, tu es devenu un noble et un juge. Maintenant, tu as des lois, des guerriers,
des créateurs, des chercheurs de plaisir, tous ceux qui ont répandu leur sang pour l'Empire, la famille et l'honneur, tout ça te garde à travers les anciennes traditions. C'est ton destin maintenant. Tu vas devoir travailler à la préfecture de ta province comme un juge. Ton destin pour ce but a été un long chemin, mais ton ami Thomas était toujours à côté de toi tout le long. Vous vous souvenez vos promenades à travers les rues d'Eterna et vos leçons d'escrime et toutes vos discussions aux affaires de cœur. Tu n'as pas de doute que ton futur à Nisoth sera plein de gloire. Et alors tu te rappelles les noirs énigmatiques yeux d'Octavia Milanidas, une Arcnienne parmi des grandes dynasties, une femme dont la beauté et la majesté te fait trembler. Tu as entendu qu'elle va retourner à la cour de son père, l'archiduc de Magra. Est-ce que tu la reverras jamais? Tu vas rencontrer ton père à nouveau. Il va essayer de te cacher ses sentiments, mais pas cette fois. Après tout, tu as rempli tous ses espoirs. Tu as eu du succès dans tes études. Tu as continué l'héritage noble de la famille. Beaucoup de choses ont dû changer à ton retour à la maison. Tu te souviens de ton grand frère Stéphane. Maintenant que toi aussi tu as été anobli, tu es pratiquement son égal. Ça veut dire que vous devrez choisir une ancienne tradition et selon la tradition, tu devras amener un cadeau à Stéphane. Et tu vas vers le marché d'Eterna pour lui acheter un cadeau. Et alors, pendant que tu es occupé à chercher des sabres dans un magasin dans une armurerie de la ville. Il y a beaucoup à considérer pour ce cadeau. Stéphane est plus grand, ses épaules sont larges, ce qui veut dire que son sabre doit être plus lourd et plus long. Il ne doit pas avoir trop d'embellissement. Stéphane ne veut pas que tu lui ramènes une arme extravagante. À la fin, tu trouves le sabre qui convient, d'acier noir, avec un ornement subtil, avec des feuilles sur la lame. Un peu comme des veines de femme. Ça ressemble au sol de Magra derrière l'arbre d'argent. Tu choisis tout ça avec la même diligence. Tu achètes aussi le même fourreau du même style et tu quittes le magasin satisfait. Vous quittez la capitale le matin suivant. Eterna, la ville où tu as passé 4 années, maintenant disparaît gentiment à l'horizon. Est-ce que tu reviendras à la capitale un jour? Tu ne le sais pas encore. Le sabre, le cadeau pour Stéphane est dans tes mains. Après 4 ans dans la capitale, tu retournes à ta cité natale, à Nisoth. La fin de la jeunesse. Les années de ta jeunesse sont venues à une fin. Ah, on a eu un succès. Le temps est arrivé de quitter la capitale, de retourner à ta famille. Une nouvelle affaire dans ta vie d'anisote. Les années loin de la maison étaient pleines de tumultes et de combats. Tes épaules d'adulte maintenant peuvent supporter les décisions de ta nouvelle vie. Est-ce que tu avais la liberté de choisir ton destin par toi-même ou est-ce que c'était le destin qui depuis toujours t'étais destiné, depuis ton enfance. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est suivre le destin qui te lie devant toi, qui reste devant toi. Fin du chapitre 3 de la jeunesse. Mais voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Ça se répète. Et voilà, nous avons terminé la jeunesse, le chapitre 3. Nous avons 20 ans. A full adult now, Nous sommes un grand I've adulte returned from maintenant. The capital a changed man. Je suis revenu de la capitale comme my un homme changé. Not the same as I had left it. Mais ma ville natale n'est plus comme je l'avais quittée. Il y a des temps difficiles dans les magasins pour nous tous. Chapitre 4, le temps de paix. Année 1138. Et voilà les amis, c'est ainsi que finit cet épisode qui était pas mal du tout. Et à la prochaine. Ciao ciao.